Hey! Salut la famille, salut les amis. Salut, salut. Donc aujourd'hui, c'est notre première journée d'excursion dans la région de Huaraz. Ouais. On est arrivé hier matin et on s'est posé toute la journée pour s'habituer à l'altitude. Parce qu'on est donc Huaraz, c'est 3100 mètres d'altitude. Et donc là, on est en route, on a 3 heures de route pour aller voir la laguna Yanganuka. Voilà. Yanganuka. Donc qui est au milieu des. De la cordillère blanche. Oui. Voilà. Je pense que ça va être pas mal. En plus, il fait très beau aujourd'hui. Quelques nuages, mais ça va être super parce qu'on arrive vers midi et le temps se gâtera après, je pense, dans l'après-midi. Hein. Ouais, on va essayer de sortir le drone si on peut. Voilà. On verra s'il n'y a pas trop de vent pour faire des belles images. Et on vous montre tout ça plus tard. Voilà. Bisous. Bisous. Estamos en la región de Huaraz y hoy es un día para visitar. Vamos a ver las montañas y un lago que se llama Yanganuko, pero que está en una altura muy, muy grande. No me acuerdo cuánto, 7 millones de altura. 4600. 4600 metros. Vamos a hacer imágenes con el dron si no hay mucho viento y ya está. Muchos besos. Bisous, bisous. Bisous. Ici les images de l'ancienne ville de Yungay. Ville qui a été meurtrie par le tremblement de terre du 31 mai 1970, puis par une avalanche de plusieurs millions de tonnes d'une partie de la montagne qui s'est décrochée et qui a ravagé la ville. 25 000 habitants sont morts. Seules 80 personnes qui étaient au niveau du cimetière où nous sommes ont survécu et les 300 enfants qui étaient dans un cirque en périphérie de la ville. Dans cette séquence, on essaye juste de vous expliquer que du fait du changement de temps très rapide avec beaucoup de pluie et beaucoup de vent, on avait été obligé d'interrompre notre vol de drone. Hey! Hey! Salut les amis! On est arrivé à la Laguna del Parón, donc on est là à combien de mètres? 4200 mètres d'altitude, donc pour nous c'est une grande, grande première. C'est magnifique, l'eau elle est bleu turquoise. Et puis le temps est avec nous, c'est un grand soleil, donc ouais. C'est juste parfait. Quoi. Pas trop de vent, tout ça, donc je pense qu'on va sortir le drone et on va essayer de faire quelques images. Voilà, ça a été un petit peu long comme chemin pour venir jusqu'ici là. Ouais, il y a une grosse partie, c'est que du caillou et que du chemin, donc pas de route du tout. Ouais. Ça secoue pas mal, mais par contre le paysage est vraiment extraordinaire. Ouais, ça vaut vraiment le coup. On n'a pas vraiment pu prendre de vidéo parce que ça secoue trop, donc ça sert à rien, ça donne rien. Mais voilà, donc on va vous montrer tout ça en images.
Hola, estamos en la Laguna del Parón. Estás a 4.200 metros de altitud. Es la primera vez que nos subimos de tan altura y bueno, fue un poco fastidioso de venir aquí. Hay por lo menos 2 horas y medias y es un camino de con muchas piedras. Pero estar aquí ahora es muy, todo está muy bonito. Mirar cómo el agua está azul, no hay mucha gente y el tiempo está con nosotros. Muchos besos. Bisous. Alors là, on est au pied du chemin qui monte jusqu'au Mirador, que nous allons essayer de pratiquer avec Julien. Voilà, apparemment, c'est une expérience au niveau respiratoire et au niveau musculaire, parce que c'est à 4000 mètres, donc déjà la capacité à respirer est un petit peu compliquée, donc on va voir si on y arrive ou pas. À plus! Alors, d'après vous, on l'a fait ou on l'a pas fait? Hein? Est-ce qu'on a réussi à aller jusqu'au Mirador pour...